Aloha et bienvenue à tous les gens qui s'éveillent. Oui, bienvenue à tous les gens dont l'esprit, le cœur et la conscience s'éveillent. D'abord, merci pour vos incroyables retours, pour vos messages d'amour. Vous savez que j'y suis très sensible et ça me touche énormément. Ça me donne plein de motivation pour continuer à vous transmettre, à vous initier, à vous partager à toute cette culture polynésienne et à plein d'autres choses que vous allez découvrir durant les mois qui viennent. Et vraiment, merci du fond du cœur, parce que c'est absolument incroyable ce que nous vivons sur cette chaîne, plus de 200 abonnements par jour. Je savais que la culture polynésienne intéressait beaucoup de gens, mais à ce point, c'est absolument incroyable. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que je vais continuer durant les jours, les semaines et les mois qui viennent, en particulier lors de mes voyages à Tahiti et à Hawaï, où je suis tous les deux mois et demi, pour vous transmettre, vous initier et vous partager tous ces concepts clés. Les concepts de mana, les concepts de Ho'oponopono, les concepts d'aloha ou de ha, avec de véritables kahuna, des reportages que je ferai sur place parce que j'ai obtenu les autorisations de l'État hawaïen. Et oui, il faut savoir que l'État hawaïen est un État dans l'État au niveau des États-Unis et vous ne pouvez pas faire de reportage sans avoir des autorisations préalables. Alors j'ai encore plus de gratitude d'avoir pu avoir ces autorisations donc, du gouverneur et de pouvoir ainsi vous faire vivre à Hawaï de véritables initiations, de véritables, on va dire, parcours touristiques et culturels qui vont vous permettre de mieux vivre et saisir l'âme hawaïenne. Alors, si vous êtes sur cette chaîne et si vous regardez les vidéos que je poste en général, c'est que vous êtes intéressé par le développement personnel. Et dans le développement personnel, vous allez toujours entendre parler de fixer un objectif, d'augmenter sa motivation, de donner un sens à sa vie, d'avoir une mission de vie, de pouvoir poser des actions. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure que vous allez regarder des vidéos de développement personnel, malgré tout ce que vous écoutez, que vous mettez en application, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il faut comprendre le fonctionnement du cerveau. Vous savez que je suis pharmacien, je suis un expert en neurosciences et je suis enseignant d'hypnose et de coaching neuromental, et neuropsychique et neuroémotionnel. Je suis préparateur mental auprès de champions sportifs et vous pouvez avoir la décision, la volonté de faire quelque chose, de poser une action. C'est votre mental, votre cerveau gauche qui le fait, c'est lui qui décide, mais c'est pas lui qui exécute. Celui qui exécute, c'est le cerveau droit. C'est l'inconscient et le subconscient, c'est-à-dire le cerveau reptilien et le cerveau limbique qui exécutent ce que vous vous demandez. Et là, vous n'avez pas forcément les résultats que vous souhaitez. Et c'est là que la philosophie hawaïenne intervient, parce que la philosophie hawaïenne, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, avec sa conception du Huni'ipili, qui est le subconscient, considère qu'en fait, votre subconscient exécute les mémoires qu'elle a en soi. Le Huni'ipili va exécuter les mémoires qu'il y a en vous. Et si vous avez des mémoires erronées, eh bien vous avez des résultats erronés. Donc la philosophie hawaïenne, c'est de dire que si vos résultats ne sont pas ce que vous souhaitez, c'est que vous portez en vous des programmes inconscients qui viennent soit de vos expériences de vie, soit de vos ancêtres, soit, on va dire, de votre famille, avec des choses qui vous ont été transmises consciemment ou inconsciemment, et que vous avez, grâce à tout ce qui vous arrive, une chance incroyable de vous libérer de ces programmations. Autrement dit, il n'y a pas de problème chez les Hawaïens. Il n'y a que des circonstances pour vous élever. Chaque situation qui ne vous convient pas, que vous considéreriez en tant que bon occidental comme problème, chez eux, est un challenge, un véritable défi pour vous permettre de pouvoir évoluer.
C'est donc la raison essentielle pour laquelle les stages et séminaires de développement personnel ne donnent pas les résultats que les gens souhaitent, parce que vous êtes en fait victime de vos programmations inconscientes, quelles soient vos expériences passées, tout ce que vous avez entendu avant 7 ans, tout ce que vous avez vu, tu es nul, tu n'y arriveras pas, c'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie, etc. Et ensuite, toutes les croyances que les parents, la famille, vous ont transmis, ainsi que toutes les charges familiales de plusieurs générations. Voilà, si vous ne déprogrammez pas ces programmations inconscientes, eh bien, vous aurez quelques résultats, mais vous n'aurez jamais les résultats que vous souhaitez. Cette vidéo, et ainsi que les vidéos suivantes, sont de véritables révolutions, parce qu'elles vont vous permettre de déprogrammer ce qui, aujourd'hui, vous faisait avoir des résultats contraires. Si votre mental décide, c'est votre subconscient qui exécute. Vous avez une chance extraordinaire avec la philosophie hawaïenne de pouvoir totalement déprogrammer les causes inconscientes de vos échecs. Je vais donc, durant les semaines qui viennent, vous expliquer avec une incroyable simplicité tous ces mécanismes inconscients qui sont dans votre cerveau, d'abord parce que je suis pharmacien et que je suis un spécialiste de la neurochimie, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau, pour vous permettre de pouvoir faire les exercices qui suivent en toute conscience. Merci de partager ces vidéos. Alors, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, j'ai beaucoup de gratitude, merci de faire connaître à la fois la culture hawaïenne, polynésienne dans son ensemble, ainsi que les neurosciences, et gratitude infinie de toujours faire les commentaires que vous faites qui me font progresser et qui me donnent encore envie de vous donner de plus en plus d'amour dans mes vidéos. Merci du fond du cœur, namasté, mana, aloha, me alo. Mana aloha, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi j'ai une patate d'enfer et je vais vous faire des séances durant les semaines qui viennent sur de l'EFT couplé à du Ho'oponopono. EFT et Ho'oponopono. L'EFT est une technique de libération émotionnelle, tandis que le Ho'opono est une technique ancestrale des Hawaïens pour libérer les mémoires qui bloquent. Et les deux techniques couplés vont faire des résultats absolument exceptionnels. Je fais ceci sur des thématiques particulières pendant 21 jours d'affilée et je vous incite à faire pendant 21 jours d'affilée car c'est le cycle de création de synapses. Si vous voulez avoir un fonctionnement automatique et changer de comportement, il est indispensable de faire les vidéos qui vont suivre pendant 21 jours. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer les différents points qui vont être stimulés et ensuite il vous faudra pouvoir, lorsque vous voyez apparaître à l'écran les points, répéter les phrases que je dirai, que vous le fassiez mentalement ou oralement. Alors, c'est parti, explication. Le point karaté, on l'appelle le point d'inversion psychologique. Il va permettre de dissiper les oppositions éventuelles du subconscient à la réalisation de nos objectifs. Il correspond au méridien intestin grêle. Il correspond à tout ce qui est appréhension, anxiété, trac. Il chasse les sentiments de tristesse et de découragement, le pessimisme, les pensées noires. Le manque de confiance en soi, la crainte de l'échec, le besoin de rester absorbé dans ses problèmes. Il va renforcer les capacités intellectuelles, la perspicacité, l'adresse physique et stimuler toutes les performances dans tous les domaines, sportifs, sexuels, professionnels, etc. Ensuite, le point DT, dessus de la tête. C'est le méridien qui correspond au vaisseau gouverneur et au point de croisement des six méridiens yang, donc il va stimuler énormément l'énergie. Il va dissiper les tensions psychiques, la perte de courage, la difficulté d'aller de l'avant. Il renforce et favorise les fonctions intellectuelles. Il agit sur la concentration, sur la mémorisation.
il agit sur les cinq organes des sens, il redistribue l'énergie, il apaise, il apporte la force et la volonté. C'est un point qui est important chez les personnes qui n'arrivent pas à s'accepter. Ce point-là, début du sourcil. Le point début du sourcil, DS. Vous pouvez également le faire des deux côtés à la fois, et peu importe le côté où vous le faites, gauche ou droit. Il correspond au méridien de la vessie. Il va dissiper les séquences émotionnelles laissées par des événements difficiles, le manque d'ambition, d'ardeur à faire les choses, la stagnation dans n'importe quel domaine de la vie et les frustrations. Il libère les peurs viscérales et il libère de l'inhibition de l'action. Il renforce la force intérieure, l'intuition, améliore le ressenti des émotions. Il donne de l'ambition et le courage d'effectuer les changements qui remettent sur le droit chemin, celui qui nous permet d'exprimer librement nos talents. Le point coin de l'œil, appelé CO, coin de l'œil, il correspond au méridien de la vésicule biliaire. Également les deux côtés à la fois ou d'un seul côté. Il va dissiper les rancunes obsessionnelles, les sentiments de rage, de haine, le besoin de vengeance, il résout l'excessif et pour les agiter, il va les calmer. Il arrive à renforcer une vue juste sur l'ensemble des choses, il va permettre d'enlever les colères, de prendre des décisions réfléchies, à mettre ses idées et ses rêves en pratique et à se tourner vers l'avenir. Le point sous l'œil, S.O. S pour sous, O pour œil, c'est le point qui correspond au méridien estomac. Ce sont les soucis obsessionnels, les idées fixes, les besoins d'attachement excessifs, le vide que l'on porte en soi. C'est l'insatisfaction profonde, le manque de confiance dans l'avenir. Il renforce la bonne assimilation des expériences et la juste expression des sentiments affectifs, les capacités de donner et de recevoir de manière équilibrée. Les sensations de contentement et de plénitude. Et ça va permettre d'ouvrir l'esprit aux connaissances nouvelles. Le point sous le nez, SN, le méridien correspondant, c'est le vaisseau gouverneur. Il dissipe la timidité, la modestie excessive, la honte de soi, les retenues maladives, la crainte de s'affirmer, de s'imposer ou de dire non. Il résout la gaucherie, la gêne de se montrer aux autres, la peur de parler en public, et pour tous les gens qui ont un examen à passer et qui ont une peur panique. Il renforce le caractère et l'originalité de la personne, son individualité, pour s'accepter soi-même tel que l'on est, l'audace d'exister à part entière sans se soucier de ce que les autres pensent de soi, et pour permettre d'être à l'aise en société. Là, c'est le méridien sous la bouche, SB. Il correspond au vaisseau conception. Il va dissiper les sentiments d'échec, de culpabilité, les remords, les regrets, l'accablement, la désolation, les tourments, le besoin de réprimer ceux qui nous ont fait du mal, le besoin de se punir. Il va renforcer les possibilités de pardonner. D'abord envers soi-même, de pardonner aux autres, d'accepter les choses du passé telles qu'elles sont et la volonté d'aller de l'avant en tournant la page. Ici, point clavicule ou CL, méridien rein. Il va dissiper les peurs qui empêchent d'avancer dans la vie, les peurs qui empêchent de vivre une existence paisible, les terreurs, les attaques de panique, les tensions psychologiques. Il réduit l'épouvante, l'agitation, l'affolement. Il va permettre de délivrer les névroses d'angoisse, les phobies, les terreurs de solitude, les agoraphobies, etc. Il renforce le système immunitaire. Il fait partie de ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise des points dits toniques. Les sensations de sécurité en tout lieu. Le calme intérieur, l'envie de faire des choses impensables auparavant, le désir d'avancer dans la vie vont être activés avec le point clavicule. Quand une émotion très forte vous submerge, prenez l'habitude de stimuler ce point du bout des cinq doigts. Et vous aurez un retour plus rapide au calme que si c'est avec les doigts du centre, les deux ou trois doigts, avec les cinq doigts. Le point sous le bras,
MSLB, méridien rat de pancréas, ce sont les sentiments et interdits intérieurs qui empêchent d'assimiler les nombreuses joies de l'existence. Il réduit le pessimisme, le défaitisme, l'accablement, l'amertume, l'ennui, le renoncement, le manque d'originalité et toutes ces idées qui répriment les plaisirs et la joie. Il renforce la confiance en soi, donne de l'espoir en fortifiant les sensations de bien-être et de contentement. Il va permettre de développer l'assurance personnelle et l'envie d'accroître ses connaissances intellectuelles et l'envie d'entreprendre et de faire des choses nouvelles. Enfin, le point sous le sein, SS, correspond au méridien foi, et ce sont les sentiments de désarroi, de frustration, de confusion intérieure, les doutes, les résolutions, l'étroitesse d'esprit qui condamne à la stagnation, les sources de frustration, de colère, la léthargie, l'indolence. Ça va renforcer et faciliter la revue saine des situations avec une juste appréciation des faits, aider à élaborer des plans d'action, à prendre des décisions importantes, à effectuer des changements et d'apporter le dynamisme et la fougue nécessaires à la poursuite des ambitions, la confiance en son propre jugement et le point de vue sur les choses pour pouvoir exprimer ses talents innés et ses compétences personnelles. Un karaté correspond à l'intestin grêle, il permet d'inverser les émotions, on l'appelle l'inversion psychologique, pour permettre d'enlever les oppositions émotionnelles à la réalisation de nos objectifs. Voilà, alors maintenant, après avoir eu l'explication de ces différents points pour comprendre la signification des points EFT, nous allons mélanger et combiner l'EFT que nous allons faire avec la cohérence cardiaque. Alors j'ai beaucoup de gratitude à vous présenter ceci car une nouvelle fois, il n'y a aucune vidéo à ce jour qui inclut la pratique de la cohérence cardiaque et de l'EFT. Alors que j'ai beaucoup donc de gratitude de pouvoir vous transmettre l'alliance de ces deux outils extraordinaires et pouvoir vous permettre d'utiliser ainsi un outil incroyable. Alors vous allez visualiser la bille qui monte pendant les 5 secondes et inspirer profondément et vous allez souffler pendant l'expiration. On va commencer pendant au moins 30 secondes sur le point karaté. Voilà, vous pensez à votre problématique actuelle ou au besoin d'être totalement serein, voilà. En même temps que la bille monte, vous tapotez le point karaté. En même temps que la bille descend, voilà, nous allons faire ceci pour permettre d'inverser toutes les émotions psychologiques. Bye.
I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Like a lemon drops high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh why can I true. Ooh, someday.